Bonjour tout le monde, donc nous revoici dans Red Dead Redemption 2 dans l'épisode 62. Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'était passé, c'est que finalement notre femme nous avait quittés. Abigail en fait, elle a quitté John en fait. Pour faire simple, c'est simplement parce que elle aimait pas notre attitude, si on veut, envers notre fils et envers. Ben en fait, concernant la vie qu'il menait. En tout cas, on peut voir dans tout ça que le passé finit toujours par nous rattraper, quoi qu'il arrive. Bref, donc c'est ça, donc il nous a quittés, puis on a travaillé dur pour un salaire de misère qui n'en valait pas la peine, franchement, moi je trouve. Puis par la suite, je pourrais vous dire que... Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oh, j'ai oublié, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, c'est ça. On a reçu une lettre de Sadler. Ellie Sadler, je pense, je me rappelle plus son nom exact. Puis elle nous a demandé de la revoir, puis elle nous a demandé de l'aide par la suite pour capturer un criminel, dont ce qui a été fait, et qui finalement la mission a été gratuite. Donc là, on va aller voir Tôt le banquier, si je me trompe pas, pour je pense que c'était pour le prêt d'argent, si je me rappelle bien. Donc c'est parti, on va commencer. Oh. Monsieur. Qui dégage? Come on, move. Hey, watch it. Ok, c'est pas par là qu'on passe. Sinon, il resterait pas devant la porte. Ok. Ah, ok, c'est par là. Oh my God. Excuse me, sir. Can I help you? Attendez. Officer. Ok, c'était lui qu'il fallait que j'aille voir. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? And which folk? Mr. Geddes. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. On dirait un crosseur, ce gars-là. We'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Les banquiers, là, vous pouvez pas savoir comment c'est des crosseurs. Franchement. Je suis sûr qu'il va les charger tellement d'intérêts. Ou plutôt, il va nous charger tellement d'intérêts. C'est pour ça que j'aime pas ça emprunter de l'argent. Bon. Ok, maintenant il faut aller où d'ailleurs? Oh non! Oh ben c'est pas si loin que ça. J'allais commencer à capoter alors que c'est même pas si loin. Attendez, je veux juste voir quelques petites choses. Non, avant ça, on va aller se couper la barbe. Je sais qu'il y en a qui aiment ça avoir la barbe longue, mais moi non. Non, vraiment pas. Allez, c'est parti. Oh my God. Une chance qu'ils vont pas appeler la police.
ça le plus important. C'est ça que je déteste quand je suis à cheval en ville. Et c'est tellement facile de blesser quelqu'un. Attendez, c'est même pas par ici. Hey there, miss. Parce qu'elle m'a salué. Bon. Oh wow, j'ai même pas beaucoup d'argent, c'est vrai. Putain de merde. Mais je vais quand même raser au moins. Ah, c'est pire. Avant ça, je pense que je vais raser la barbe. Les favoris, lol. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Bon. C'est quoi le but d'avoir des petites lignes? On se croirait dans Naruto. Enfin, peu importe. Ok, la moustache, par contre, ça c'est un peu trop grand. Ok, donc on pouvait l'ajuster comme ça. Arc, c'est laid. I'm looking for Gavin. He's my best friend. He left me. Je sais pas. I mean, I lost him. Someone must have seen an English. Ah, ta gueule pour de vrai avec ton Gavin. Comment ça m'énerver d'entendre ça. Ok, on va faire vite, puis on va juste enlever tout là. Je sais pas quoi vous dire. Non, je veux pas ça. Ok, cheveux. Right, gauche. Bras au milieu. Pourquoi pas? Putain, il y en avait d'autres, ok. Non, ça c'est le... Non. Ok, on va faire ça vite là, parce que je pense pas que vous voulez me voir en train de choisir quelle coupe de cheveux que je vais prendre. On va prendre ça, tant qu'à y être. Fuck that. Puis on va mettre de la pommade. Non, ça c'est vraiment laid. Non. Pas de pommade. C'est bon pour cette fois. C'est pas war, mais je préfère mieux ça que tout à l'heure. Faudrait par contre enlever le chapeau, là. En tout cas, moi, je veux quelque chose de plus chic, franchement. C'est pas mon genre de vêtements. Ok, bon. Donc, on va aller là-bas, chez Ansel Aertan. Je sais pas comment on le dit, là. Ok, donc c'est parti. Mon cheval est là, ok. Allez, grouillez-vous, gros vieux. Oh, shit. Passons, je me demande si on va revoir Dutch. C'est une question que je me posais. Mais en tout cas, si on je pense qu'on va revoir Micah si je me trompe pas. Peut-être pas, j'ai aucune idée. Mais je pense que si on a un de nous qui le revoit, je pense qu'il y en a un de nous qui va essayer de le tuer. Nah. J'ai déjà pas assez d'argent, fuck that.
Puis de toute façon, même si c'est pour de l'honneur, comme on me l'a dit, l'honneur ça sert plus à rien. Oh shit! Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Non! Ah, c'est triste. J'aurais aimé le réanimer, mais apparemment, on peut pas. Bon, peu importe, c'est plus le temps de niaiser, là. On se grouille pour aller au ranch. Allez, fonce, mon cheval, fonce! Oh, t'es pas assez rapide! Mais non, il s'appelle... Qu'est-ce qu'il y a? We're fine, ain't we? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est parce qu'il y a des loups ou quelque chose dans le genre ou quoi? Ok, mais pourquoi le cheval a réagi pour ça? En tout cas, peu importe, on se continue là. Je sais pas pourquoi le cheval a réagi là, mais bon. C'est quoi cette affaire là? C'est quoi ce wrench? Bon, peu importe. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. No. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. Hey! Oh, le fils de pipe. J'ai pas voulu vous faire du mal, mais je vous attachais, bande de connards. Bande de connards. Attends, est-ce que j'étais censé les tuer techniquement ou pas? Quand j'y pense. Bah peu importe que je devais les tuer ou pas là. Maintenant que je pense avoir rempli ma mission vu que je les ai ligotés. Par contre, je pense pas que c'est un bon signe. Là avec les éclairs, je pense qu'il va se passer un truc. Ah, tu, the man with two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Je me demande s'il a fait le bon choix, sérieusement. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually,
you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. They own me, they just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. En tout cas, mais le ranch va pas me rendre plus riche là. On a juste acheté une. Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I'm going straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Okay. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. No, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Oh, have a little pity, will you? Oh my God. All right. Et on va avoir un vieux qui va nous accompagner. Bon, mais on est censé faire quoi dans tout ça? Hey yo! Yo, fils de pips! Prochaine fois, je vais te casser la gueule si tu te mets dans mon chemin, connard. Désolé pour le langage. Mais yo, pourquoi tu t'es placé devant moi, espèce d'imbécile? J'ai juste dû t'écraser et on s'en fout pour devoir de l'honneur maintenant. West. West. Ain't you a man of few words? Aïe aïe aïe. I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. I don't care how I see. Well, now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, I want a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. Just bought this place. And you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Bon, j'espère que ces connards sont pas encore là, franchement. Parce que je les ai pas tués techniquement. Non mais je veux pas être méchant ici, on dirait la famine. Ou plutôt la pauvreté. Putain. Why exactly did you buy this dump? C'est vrai. Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? Oh my God. A farm here. Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Things I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Oh my God. Mais c'est vrai, pourquoi t'as acheté cet endroit-là? Mais bref, ne soyons pas négatifs, hein. Peut-être que ça pourrait s'améliorer au fil du temps. Enfin, j'espère. En tout cas, je sais même pas si ça va s'améliorer. Partie 2. Bencher's Hope. Enfin, si je l'ai bien dit. Ah, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode-là, enfin? Oh!
c'est déjà pas mal. Non, mais regardez-moi ça. Non, c'est vraiment déjà beaucoup mieux qu'avant. Alors, tout ça m'appartient. Mis à part le fait que la terre, c'est pas cultivable, mais bon. C'est pas aussi pire qu'avant, là. Bon. Donc, dans le fond... je me demandais, est-ce que vous pensez qu'au final, on va s'installer tous ici? Ben, le monde de la gang. J'étais en train de me poser la question. Parce que je crois pas que c'est un hasard qu'on a acheté ces terres. En tout cas... Ok, il est où l'autre? Working hard? It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! I'm getting up. Oh, no, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint-Denis. Charles. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Eh ben, on dirait que c'est pas très bon signe pour tout le monde. Déjà, il y a ce vieux qui est, je m'en rappelle même plus son nom, qui est en train de crever. Puis après, il y a l'autre, Charles, je me rappelle plus c'était qui. Je pense que c'est le gars là qui était resté avec Plus Battante, puis, comment il s'appelle? Aigle qui vole, je pense que c'était lui, ouais. On est retourné à Saint-Denis, j'aurais préféré ne pas y retourner. Back in Saint-Denis. I never liked this place. Me neither. Bah évidemment, il y a eu plein d'emmerdements ici. Let's go find that big sour bastard. Sure. Let's split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slums. Ok. How about I take the saloons and you take the slums? On va aller dans un hustler parce que de toute façon moi je dois y aller aussi. Oh fudge. On va commencer par le hustler. Ah, j'imagine que j'ai pas mon... Oh, mon cheval est là. Mais plus vite. Oh my god. J'aimais tellement mieux mon cheval fast. Dommage qu'il est mort. Puis que ça appartenait à Archer. Mais shit, quand j'y pense, John est tellement mince. C'est vrai. Alors qu'Archer était bien plus musclé, si on veut. Ah, oh, ta gueule, pour de vrai. Bon, on va rentrer... Oh non, c'est pas par ici. Attends, mais moi, je veux aller chez le receleur. Ah, c'est ça, c'est ça. Bon. Bon, donc on va trouver des informations sur l'autre là, j'ai oublié, Charles. Ok, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Bonjour, how can I help you today, sir? Listen, you seen a big Indian fella? Ah, Indian? Yeah, a boxer. No, sorry, mister. No. Actually, yes, I think he's fighting, I believe. Fighting out behind Saint Saturnine. Thank you. Thanks a lot. No problem. Vendre. J'en profiter.
I would head along that way. Saint-Saturnine. Pourquoi je peux pas vendre ça? Oh, tu cas. Enjoy the fight. J'ai pas besoin d'un une montre de gousset. Qu'est-ce que je vais faire avec les cartes? Je vais les vendre toutes. Honnêtement, ils me servent à rien. Ça par contre, je veux pas vendre. Bon, je pense que c'est tout. Là, j'ai rien d'autre. Et voilà, vous voyez, je me suis déjà fait 84$ en vendant tous mes bijoux. Beaucoup plus que si j'avais si j'avais décidé de continuer à travailler pour le gars. Bouge. Okay, Missy. Bon. C'est censé vouloir dire quoi? C'est lui Charles. Oh! C'est vraiment lui. Pourquoi il est devenu... Comment il a pu devenir un boxeur, un combattant, alors qu'il a toujours été quelqu'un de plus... quelqu'un qui se bat pour plus des choses honorables. Pas qu'un combat, c'est pas honorable, mais... ouais, c'est pas honorable, sérieusement, de se combattre juste pour un combat. J'ai rien contre ça, mais je m'attendais pas à ce que Charles fasse ce genre de truc. Kind of, just, I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me, I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Paris contre Charles. I've seen him in better condition. I'll bet against him. Treat for you, an epic battle. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Of ancient warriors and a not so noble savage. On my left, a ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. Et voilà, voyons voir le combat. The savage, the untamable. The unbeaten, and dare I say unbeatable, Lone Wolf. You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by... Décès de l'anniversaire. Let's keep it clean, but not... C'est pas un peu exagéré quand même, mais bon. Je vais pas faire ça. Oh, t'es sérieux?
Oh! Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey! Lone Wolf! Whoa! Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Next time, be my friend, mister. Sure. If we just made the bed, I said we should. So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? John, I haven't seen you. J'aurais dû parier pour sur lui, mais bref, s'en fout pour de vrai. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. You're useless. I'm a deep thinker. Be quick. Come on. This way. My bag's on the dock side. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. you know that Arthur... Sure. Word got to me up north. Évidemment, il est mort. Buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel, with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding what his life was really all about. Yeah. That makes sense. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah. I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? What? The whole time. Or since before I got off Sisica. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch? Least of all. Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. Three. Mm-hmm. Three. Oh, enfin. You couldn't have thrown that. It's never just one fight. Never just. Oh, fuck. What are those guns they have? What? You don't have to live in the high country? Invention moves real quick. Let's go. There's a wagon up there. I'll get my bag. Okay. Come on, John. Yo, c'est quoi cette merde pour de vrai? Je peux pas croire qu'on est déjà soupçonné de quoi que ce soit. Okay. Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. Hold on. See any law? Not yet. Keep your eye out. Saint Denis ain't short on police. I remember that. Only too well. Anyone? Good so far.
further we get from those gunshots, better chance we have of denying it, at least. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? Yes. I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple... John! Charles! You boys been off getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Bon, ok. Bon, après ça, je vais arrêter cet épisode-là. Bon, je vois qu'on a retrouvé du monde de la gang. Franchement, je me dis sérieusement que ça va être un peu comme avec, avec quand Archer était là. Là, ça va, tout va redevenir comme avant un peu. Sauf que si ça va pas mal se finir, je veux dire, si il y a pas de... Ok, je sais pas comment l'expliquer. Ok, comment le dire de manière simple. Si ça va pas devenir comme avant où on se faisait rechercher en tant que criminel, on risque de faire les choses, mais de manière plus discrète. En tout cas. Bon. Un loup sans sa meute. Lol. En gros, ça veut dire qu'on n'a pas de leadership. Non, ça n'a aucun rapport. Bref, peu importe. Donc, on va s'arrêter là un peu pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Puis, je vous dis au revoir et à la prochaine.